Bonjour à tous les Breakers, ou plutôt bonsoir, parce que je pense que cette vidéo sera mise le soir aux alentours de 18h. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler d'une des futures voitures du DLC GTA Online San Andreas Mercenaries qu'on a pu découvrir hier avec l'ajout dans l'abonnement GTA Plus du The Vinewood Car Club. Et donc dans cette petite, ce petit teaser en fait de ce nouveau club qui va arriver, donc cette nouvelle concession. Si vous voulez plus de détails d'ailleurs au niveau de cette concession, je vous mets la miniature maintenant d'une vidéo qui est clairement faite à ce sujet-là. Donc si vous voulez plus d'infos autour de ce nouveau club qui va arriver sur les consoles Next Gen, PS5 et Xbox Series X et S, le lien de la vidéo sera dans la description. Donc pendant ce petit teaser, ce petit trailer, cette petite vidéo que nous a partagé Rockstar Games, on a pu apercevoir déjà qu'il y avait l'arrière d'une grottie qu'on ne connaissait pas qui apparaissait rapidement, donc je vous le mets en fond. Et puis après, avec les images via le Newswire du GTA Plus, on a pu l'apercevoir dans cette concession, cette nouvelle grottie. Donc cette nouvelle grottie, je voulais vous en parler rapidement dans cette vidéo, donc ça va pas être trop long, hein. Ce sera donc une Ferrari Roma. Alors, il faut savoir qu'il existe deux versions de la Ferrari Roma. Il existe la Ferrari Roma normale, donc avec un toit rigide. Et il y a aussi la Ferrari Roma Spider, qui, elle, a été récemment, d'ailleurs, présentée le 16 mars 2023. Elle dispose donc d'une capote amovible, une première depuis la 305 GTS. Donc, voilà. Donc là, ce que vous voyez dans le gameplay, c'est un gameplay que je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu plus la voiture in-game, on va dire. En fait, hein, c'est via un mod, on peut installer des véhicules IRL dans GTA V sur PC. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc si vous voulez voir la vidéo plus en détail, je vous mettrai le lien de la chaîne qui a fait cette vidéo dans la description. Parce que moi, j'ai pas pu le faire, il faut que je réinstalle mon jeu sur le PC et que j'installe tout ce qu'il faut. Donc j'avais pas forcément le temps. Donc, dans cette vidéo, on va juste parler un petit peu de cette voiture et je vais vous donner 2-3 infos dont on reparlera probablement peut-être demain ou lundi concernant ce garage, parce qu'il y a, par rapport aux images qu'on a pu voir, on a peut-être 2-3 infos supplémentaires sur le contenu du DLC sans que Rockstar nous le dise. Et je vais vous en parler vite fait à la fin de cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez et dans ce cas-là, j'y reviendrai après dans une autre vidéo. Donc avant, on va se concentrer sur cette nouvelle grottie qui sera donc, comme je l'ai dit, la Ferrari Roma. C'est donc une voiture italienne des années 2020. C'est une voiture de sport GT qui est construite à l'usine d'assemblage de Maranello. En termes de moteur et transmission, c'est donc une essence avec un V8 4 litres biturbo à injection directe. La position du moteur est longitudinale centrale avant, le cylindré est de 3855 cm3, sa puissance maximale est de 620 chevaux, soit 456 kW, et un couple maximal de 760 Nm. Sa transmission, c'est une propulsion évidemment, avec une boîte de vitesse séquentielle robotisée à 8 rapports à double embrayage. En termes de poids et de performance, elle fait à peu près 1,5 tonne, soit un poids de 1,472 kg. C'est quand même un petit peu lourd, hein, mine de rien, mais ça va encore, c'est raisonnable. Vitesse maximale, 320 km/h. Et là, on passe à l'accélération de 0 à 100 km/h. Elle le fait en 3 secondes 4 et de 0 à 200 en 9 secondes 3. Donc c'est quand même plutôt performant comme voiture, hein, honnêtement. Voilà quoi. Alors, en termes de carrosserie et de châssis, c'est donc un coupé de porte à 4 places avec, on va dire, 4 places, c'est vraiment des petites places à l'arrière, hein, voilà, on va pas se mentir. Donc dans GTA, de toute façon, ce sera une 2 places, c'est sûr. Et puis voilà, quoi, en longueur, elle fait à peu près 5 mètres de long pour 2 mètres de large. Et elle fait un peu plus d'un mètre trente de haut, donc c'est vraiment une petite voiture, hein, en taille, hein. Comme souvent les Ferrari, hein, sont vraiment basses en taille, donc voilà. La Roma est une automobile grand tourisme du constructeur automobile italien Ferrari, commercialisée à partir des années 2020. En présentation, cette Ferrari Roma est dévoilée le 13 novembre 2019 au stade sportif Stadio dei Marmi en Italie. C'est une voiture de sport coupée, 2 plus selon Ferrari, donc c'est-à-dire 2 places avant plus 2 places d'appoint à l'arrière. Vraiment d'appoint, c'est ce que je vous dis, quoi. Et elle est une concurrente à l'Aston Martin DB11, à la McLaren GT ou encore à la Bentley Continental GT.
Voilà, elle est basée sur le coupé cabriolet Portofino, avec une carrosserie et un intérieur totalement différents. La ligne est épurée et moins radicale que les dernières nouveautés du constructeur au cheval cabré, style SF90 Stradale ou la F8 Tributo. La Ferrari Roma est exposée dans la capitale italienne lors des festivités du 150e anniversaire de la déclaration de Rome comme capitale de l'Italie unie. La Roma est vendue par Ferrari avec un programme d'entretien étendu comprenant l'entretien, les pièces et la main-d'œuvre pendant 7 ans. C'est pas mal quand même, hein, comme offre. Ça pourrait arriver dans le GTA+, attention. Non, je rigole. La version découvrable, donc la version Spider que vous voyez dans le gameplay de la Roma, est présentée au palais El Badi à Marrakech le 16 mars 2023. Elle dispose d'une capote amovible, une première depuis la 305 GTS. Elle remplace la Ferrari Portofino M dans la gamme du constructeur. Voilà les amis pour les infos autour de cette Grotti. On ne sait pas encore comment elle va s'appeler exactement, mais de toute façon on finira par le savoir. Je doute que ce véhicule arrive directement à la sortie du DLC, je pense qu'on va devoir attendre un petit peu. Après, ils l'ont déjà mis en image, donc peut-être qu'on peut espérer l'avoir, mais j'y crois pas trop, honnêtement. Ce genre de véhicule, généralement, c'est les véhicules les plus attendus, hein, des DLC, et généralement, ça arrive à la fin. Hein. Donc, on verra bien ce que ça donnera, de toute manière. Et puis moi, comptez sur moi, dès mercredi, donc mardi, je vous ferai le live, je vous ferai 2-3 vidéos, et dès mercredi, je vous présenterai, si tout se passe bien, tous les véhicules qui restent, tous les véhicules qu'on a dans les fichiers, et qui arriveront dans les semaines qui viendront sur GTA Online. On continue avec cette Grotti, et je remercie un abonné. Alors, excuse-moi, mon ami, j'ai plus ton pseudo en tête, mais si tu regardes la vidéo, tu vas te reconnaître, qui m'a mis un commentaire et qui m'a fait remarquer quelque chose qui est pas du tout bête. C'est que la plupart des véhicules qu'on voit dans l'image ou dans les images sont des véhicules qui ont été offerts avec le GTA Plus et qui ont la custom HSW. Donc, la chose qui me vient en tête, c'est est-ce que du coup la Grotti ne serait pas une voiture possiblement custom HSW avec la possibilité de la custom en version Mansory, comme je vais vous mettre en fond, avec les bas de caisse en carbone brut et toutes ces nouvelles améliorations qu'on a d'ailleurs dans le HSW hein, maintenant depuis quelques temps, hein, on a des pièces en carbone brut. Donc c'est clairement possible qu'on puisse refaire cette custom avec peut-être même le même motif. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et là vous allez me dire, bah il y a la Cypher, il y a la Anis, donc la voiture dorée, et elles ont pas des custom HSW. Bah j'ai envie de vous dire, oui, mais est-ce que ça va pas être le cas justement? Et du coup, est-ce qu'on connaît pas les futurs véhicules en custom HSW? Parce que du coup, on aurait peut-être une nouvelle custom, une amélioration en HSW pour la Cypher, pour la Anis, et peut-être pour les deux prochains véhicules du DLC GTA San Andreas Mercenaries, c'est-à-dire le Pajero Evolution, ainsi que le Brentel Industries Classe 1, c'est-à-dire le buggy avec le motif Jackal là, qui va arriver avec ce DLC. Ça, c'est une question que je me pose, et puis bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Après, peut-être qu'on se fait des films, hein, mais c'est vrai que la plupart des véhicules qui sont là-dedans, et dans les images, sont des custom HSW. Alors, est-ce qu'il faut y voir quelque chose, même la Kuchudrag hein, étant HSW, est-ce qu'il faut y voir quelque chose là-dedans? Peut-être que je me trompe. Hein. D'ailleurs, rappelez-vous, la semaine dernière, on a appris au passage via le Rockstar Newswire et les infos de Rockstar Games sur le DLC qui va arriver, qu'il va y avoir un nouveau contre-la-montre. Alors moi, sur le coup, je me suis dit, est-ce que ça va pas être un contre-la-montre en avion, en fait? Ce qui pourrait être pas mal, en vrai. Mais, maintenant que je vois ces véhicules et que je me dis, par exemple, que ça soit le Pajero Evolution au fond en orange ou le Brentel Industries Class 1, donc le nouveau buggy en rose et vert, est-ce que ces deux véhicules, s'ils ont la custom HSW, est-ce qu'on va pas avoir des contre-la-montre un peu plus off-road? En dehors de la route, vraiment que du tout-terrain, en mode rallye. Franchement, ça serait cool en vrai. Avec des bagnoles bien puissantes, qui envoient le pâté, tu vois. Et pour faire des contre-la-montre avec les custom HSW, franchement, ça serait stylé. Moi, franchement, ça me chaufferait. Hein. Bah écoutez, on verra bien. Après, c'est que des suppositions, hein, évidemment. Mais on verra bien. Donc restez bien connectés, abonnez-vous, suivez bien la chaîne, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour rien manquer de l'actualité, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, tous les liens sont dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, et puis je vous souhaite une agréable journée et un bon début de week-end en ce samedi, puis on se retrouve probablement demain pour une nouvelle vidéo.